Bonjour Monsieur Guillonneau et bonjour à toute votre équipe. Nous n'avons pas la chance de vous avoir à nos côtés pour ce COSTRAT, mais ce sera sûrement pour l'année prochaine, on l'espère. Nous sommes très heureux de démarrer l'aventure avec vous, depuis Houmal, au Liban, à seulement quelques dizaines de minutes de l'aéroport et des universités télécom. Laissez-moi vous présenter en images vos équipes et les espaces qui vous sont dédiés. Cela fait déjà plus de 2 mois que Nokia opère pour Bouygues Télécom depuis le Liban, dans un centre de service avec des bureaux sécurisés aux normes du contrat Lynx, pouvant accueillir jusqu'à 200 ingénieurs dans les meilleures conditions. Nous disposons de salles de réunion, visioconférence et tout ce qu'il faut pour travailler de façon stable et sécurisée. Toutes nos infrastructures sont redondées en Internet et électricité. Aujourd'hui, nous sommes les premiers sur le projet et nous allons mettre tout notre savoir-faire à votre disposition en espérant agrandir la famille Nokia et Bouygues Telecom au Liban. Découvrez aussi nos équipes 100% francophones, avec entre autres la production experte, la production industrielle et le support aux opérations. Notre objectif est d'avoir une base d'expertise multidomaine solide et une connaissance de bout en bout de votre réseau mobile et fixe. Je suis Mohamed Mohamed, je fais partie de l'équipe radio. Actuellement, je travaille sur la chaîne de production des sites 2G, 3G, 4G et 5G. Notre objectif est d'apporter plus de capacités sur vos réseaux et surtout une augmentation des débits pour vos clients. Félicitations Bouygues Telecom, vous êtes les premiers à apporter la 5G à vos clients. Le peuple libanais est jaloux. Je suis Mohamed Shahadeh, ingénieur télécom. Je fais partie de l'équipe fixe à Nokia qui a comme rôle d'assurer la migration DNRA, migration logique et physique, vers le nouveau réseau Omega. Surtout la configuration des différentes routeurs qui existent sur le réseau pour une migration complète pour tous les clients Bouygues. Je m'appelle Georgia Temrad, je fais partie de l'équipe OPSO, chargée du backbone entrepreneur et entre autres des projets DCN et SSM. Ma journée type consiste à swapper des switches Cisco 3750 par 9300 et 9500 en utilisant tous les outils que vous mettez à notre disposition. Nous n'oublions pas la création de GCR avant l'opération et appeler le cockpit avant et après l'opération, un basique. Je m'appelle Wael Haider, je fais partie de l'équipe chargée de l'installation et mise en service des routeurs CSG ainsi de migration des sites radio vers le CSG. Notre équipe est chargée de la configuration ainsi de fournir un support à la production industrielle et aux techniciens sur site. Bonjour, je m'appelle Ronny Bazouni, je suis le project manager du centre de service Nokia au Liban. Mon rôle consiste à assurer un travail de qualité, garantir une amélioration continue et trouver les solutions convenables face aux problèmes quotidiens. Nokia nous a donné l'opportunité de développer nos compétences tout en restant au Liban. Ainsi, nous conservons les valeurs familiales et nos habitudes. Ici, le climat est modéré, la cuisine variée et riche, le kibbeh, le tabbouleh, le hummus, entre autres. Nous avons hâte que vous goûtiez tout ça sur place. Ne tardez pas. On espère vous recevoir bientôt ici au Liban. Encore merci, Monsieur Turquet, d'avoir osé cette belle aventure avec nous. Et surtout, n'abusez pas trop de tuyka ce soir avec nos amis de la Roumanie. Yalla, on vous attend. Ahla ou sahla, vous êtes les bienvenus. On est fait pour être ensemble.